Surtout une mère seule a élevé son fils, 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Depuis 2009, ma mère m'a élevé seule. J'ai grandi seule avec ma mère. Avant de dormir, elle ne savait pas comment dormir parce qu'elle s'attendait à ce qui allait se passer le lendemain. Sacrifice de ma mère. Elle se sacrifiait. Elle n'a pas mangé des jours pour que moi je puisse manger. Ma mère s'est sacrifiée. Ma mère s'est sacrifiée pour qu'aujourd'hui je sois là en train de parler. Pour qu'aujourd'hui je sois là en train de slammer. Ma mère, prendre des crédits pour me nourrir, prendre des crédits pour m'habiller, prendre des crédits pour que je puisse manger, prendre des crédits pour que je puisse aller à l'école. Ma mère l'a fait. Ma mère s'est sacrifiée. Ma mère a donné sa vie pour que moi j'ai une bonne vie. Ma mère l'a fait. Et ainsi pour toutes les mères qui sont là. Toutes les mères qui sont là. Elles se sont sacrifiées pour les enfants. Elles se sont sacrifiées pour ces enfants. Ces enfants qui étudient. Ces enfants qui sont devenus des grands. Comme M. Souma le disait tout de suite, des baobabs. Ma mère s'est sacrifiée. Nos mères se sont sacrifiées. Et vous savez ce que nous faisons? Ces mêmes mères qui se sont sacrifiées pour que nous, nous ayons une bonne vie. Aujourd'hui, quand elles nous envoient, nous disons à un moment, nous regardons Zi Magique. Nous regardons Nouvelas. Ou je regarde Quantico. Tu oublies le jour. Tu oublies le jour où elle avait mal, où elle perdait ses os, où les docteurs lui disaient pousse. Tu oublies ce jour. Ma mère s'est sacrifiée. Nos mères se sont sacrifiées. Ma mère s'est sacrifiée pour que moi je suis là. Pour que là je suis là en train de parler. Ma mère s'est sacrifiée. Aujourd'hui, on pense, on dit non, j'aime ma maman. Mais nous ne les faisons pas, nous n'aimons pas nos mamans. Malgré qu'elles ont donné leur vie pour nous. Nous n'aimons pas nos mamans. Parce que quand elles nous envoient, nous sommes fâchés. Je suis pour la famille. Ma mère s'est sacrifiée. Ma mère s'est sacrifiée. Si aujourd'hui je me mets en genoux, si aujourd'hui je parle, si aujourd'hui les gens m'entendent, si aujourd'hui les gens m'acclament, c'est parce que ma mère s'est sacrifiée. Que Dieu bénisse l'école Abibata Tunkara. Merci, monsieur Yannou, d'être là aussi.